Mounedjer a lourdement été touché par la Covid-19 en 2021. Hospitalisé et en réanimation, il ne pensait pas un jour retourner chez lui, car il a vu un voile blanc. Il s'explique dans l'émission Chez Jordan. Mounedjer a connu le pire. En mars 2021, sa compagne Inès annonçait que l'ancien animateur de W9 était touché par un lourd Covid. Hospitalisé et en réanimation, Mounedjer était sous surveillance, dans un état grave. Selon ses médecins, il n'avait qu'une chance sur quatre de s'en sortir, mais il y est arrivé. J'ai eu le variant anglais du Covid qui m'a attaqué les poumons. Je suis sorti de l'hôpital comme un légume après 18 jours. J'ai fait une embolie pulmonaire, puis un épanchement pleural avec des douleurs horribles, nous avait confié Mounedjer dans une interview. Affaibli, avec près de 20 kilos en moins, la convalescence de l'ancien aventurier de Koh-Lanta a été longue et difficile. Aujourd'hui, Siesti plus en forme que jamais qu'il revient à la télévision comme chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Malgré les mois, il garde un terrible souvenir de ce virus, qui a bien failli lui coûter la vie. Mounedjer a vu comme voile blanc et d'où à l'hôpital je rentrais en réanimation et je ne dépendais que de l'histoire de ma vie tout simplement. Mes poumons affectés à 80%, donc on me rentre d'urgence en réanimation et puis ici est un univers qui s'enclenche autour de moi et ce voile blanc qui arrive. Confie Mounedjer sur le plateau de chez Jordan, qui a vu la mort approcher de près. Siesti un espèce de voile blanc qui est doux. Tu es sur une chaise et tu attends ton tour. La seule chose qui le faisait tenir, c'était d'entendre ses enfants et sa femme vivre normalement à l'aide d'un téléphone que son frère allumait tous les jours pendant une heure lors de sa visite à l'hôpital. J'ai perdu beaucoup de masse, Mounedjer dévoile un autre symptôme de la Covid-19. Mounedjer veut désormais encore plus profiter de la vie et Siesti avec un changement de look qu'il revient à la télévision. Les fans l'ont connu avec les cheveux longs, maintenant, ils devront s'adapter à sa nouvelle coupe de cheveux. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Assure Mounedjer, avant d'en expliquer la véritable raison, j'ai coupé mes cheveux parce que le Covid me les avait beaucoup abîmés, j'ai perdu beaucoup de masse. Ça faisait 22 ans que j'avais les cheveux longs, si est-il une tannée absolue, tu en mets partout et donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Thank you.